à l'école numérique Machindano. Maintenant, nous avons la leçon de français grammaire. Mes chers amis, observez au tableau. Nous avons une phrase au tableau. Nous pouvons lire la phrase. Prions chaque jour. Nous avons déjà étudié les types de phrases. Cette phrase qui est au tableau, c'est quel type de phrase? Nous voyons que dans la phrase, les verbes, c'est prions. Les verbes est conjugué à l'impératif. Et nous avons dit que quand vous voyez dans la phrase un verbe qui est conjugué à l'impératif, il faut savoir que c'est une phrase impérative. Aujourd'hui, en français grammaire, nous allons parler de la phrase impérative. La phrase impérative. Impérative. La phrase impérative. À quoi sert la phrase impérative? La phrase impérative sert à donner un ordre ou soit un conseil ou soit une consigne. La phrase impérative sert à donner un ordre ou soit un conseil ou soit une consigne. Nous pouvons donner l'exemple d'une phrase impérative. Exemple: Soyons courageux. C'est une phrase impérative. Nous voyons dans cette phrase, le verbe est conjugué à l'impératif. Et l'impératif utilise seulement trois personnes. Nous avons la première personne, la deuxième, pluton, la deuxième personne du singulier. Nous avons la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. L'impératif utilise seulement ces personnes. Ici, dans cette phrase, le verbe être est conjugué à l'impératif à la première personne du pluriel. Soyons courageux. Dans la phrase impérative, nous disons que le verbe est conjugué toujours à l'impératif. Nous pouvons donner un autre exemple de la phrase déclarative. Mange ces bananes. Mange ces bananes. Mange ces bananes. Là-bas, nous venons d'utiliser la deuxième personne du singulier. Nous pouvons donner une autre phrase. Portons les souliers. Portons les souliers. Nous venons de donner une autre phrase impérative. Mes chers amis, nous venons de parler de la phrase impérative. Sachez que la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou soit une consigne.
Et dans la phrase impérative, nous utilisons les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Comme exercice, vous allez formuler 5 phrases impératives. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.